tremper les habits. Ma femme avait les habits quand il part à l'école. Le lundi matin, il part à l'école. Il faut qu'il rentre. Il dit, il faut qu'on lave. Le mardi, même chose. Je suis vraiment fatiguée. Maintenant, c'est les habits qu'il faut laver. Je suis fatiguée. Tous les jours, tous les jours. Lundi, il faut trouver le babi, le matin, il rentre à midi. Je lave. Mardi, même chose. Tom Sawyer, c'est quoi? Le Tintin. C'est ce que vous avez vu à l'école? Non, maman. Lave les habits là. Lave! Lave les habits là. Rapidement. Il ne faut pas seulement savoir salir. Lave rapidement. Lave ça. Et en passant, j'ai vu la boîte de chocolat diminuer là-bas dedans. Non, maman, je n'ai pas pris. Tu as pris? Non, maman. J'ai dit, tu as pris. Non, tu n'as pas de preuve. Seigneur Jésus. Je n'ai pas de preuve. Non, maman. Ça veut dire que quoi? Non, maman, tu n'as pas des indices. Je n'ai pas des indices. Ok. La chicotte qui va te faire dire. Non, maman, j'ai pris. Maintenant, tu as pris. Tu ne parlais pas de chicotte, tu n'allais pas accepter que tu as pris. Maman. Et c'est ton propre chocolat. Lave les habits là. Faut ça bien même. Très bien même. Va le savon, tu prends la couture, tu bosses ça correctement. Ah, je crois que peut-être c'est facile. Lave ça bien gros. Ma chère, trompé. À peine commencé, tu te demandes si c'est propre. Lave ça vite. Bonjour mon fils. Céleste, c'est comment? Bonjour. Bonjour, Ko, c'est comment? Ah, ça va. Mm-hmm. Tu es bien, hein? Le ménage, depuis le matin, la fatigue, le ménage me laisse pas. T'es fatiguée, même les habits, je n'ai même pas pu laver. Je vois comment ton fils est en train de laver les habits, là, maman. Il y a certains enfants que quand tu leur dis même de laver comme ça, là, tu bavardes jusqu'à la gorge se sèche. Je te jure. Ah, il se débrouille quand même. Comme il lave, il faut qu'il lave aussi, non. Comme il salisse, il faut qu'il lave aussi, non. Donc, il n'a qu'à laver. Non, il faut qu'il lave. C'est bien ça. Mmh. C'est très bien. Mmh. Bon, c'était juste de passage. Donc, il n'y a pas, de problème. Je voulais, en fait, je voulais juste te saluer. Non, il n'y a pas de problème. Je continue mon chemin. Mmh. Bonne journée. Et toi aussi. Mmh. Nathan, du courage, hein. Bye. Merci maman, tu m'as pas oublié devant les gens. Merci beaucoup, je suis gentil. Mais prochainement, je ne le serai pas. Non maman. Non. D'accord, comme tu connais bien la vie, plus que moi. Oui. Je suis plus intelligent en anglais que toi. Les enfants de... Oh, je ne finis même pas. Tu es plus intelligent en anglais que moi. En anglais que toi. Qu'est-ce que vous avez vu à l'école aujourd'hui? On a vu des pastels. Les pastels, c'est quoi? C'est le temps passé. Le temps passé de quoi? Des choses que tu avais déjà fait. Comme par exemple, la bussie. Oui. C'est pas maintenant que tu as porté. Oui. Tu avais déjà porté. Là. Oui. Comme ça, c'est un exemple. Apporte-moi ton cahier. Je vais passer le sujet là, au collège au bout d'anglais. Ça, ce sont les verbes du présent test. Et ça, ce sont les verbes du présent test. Ok. Et maintenant, ça là, c'est. Non. No. C'est que non ou non? Non. 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 No. Past tense, c'est quoi? Non. World. World. Help. Help. Run. Run. Ok. Danse. Danser. Danser d'abord. Je vais déjà danser Tom Sawyer. Tu as déjà parlé du pastel. Tu avais déjà dansé Tom Sawyer. Maintenant là,
On dit que quoi? Danse now. Le présent, non, tu dis danse. Oui, danse. Danse. Danse pas comme ça, quand même, dans un fond blanc. Danse pas comme ça. Hein? Tu danses, hein? D'accord, comme tu vois, c'est très drôle. Je vais te dire un mot en français. Est-ce que tu me dis en anglais? Oui. Je suis un grand garçon. Je suis un grand garçon. En anglais. You are a small boy. Non, tu dis que je suis un petit garçon. You are a grand garçon. Non. Hmm? You are fair. I'm. You are fair. Fair is what? You are fair. Hey, on dit alors que quoi? I am a big boy. Yes. I am a big boy. Maintenant, tu as le même temps. Oui. Celui qui est plus rapide, c'est lui qui est plus intelligent en anglais que l'autre. Oui. You are a big boy. I am 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 a big boy. Lave les habits là. C'est l'autre là, tu es trop fort. Aïe, aïe, big boy. Il faut être le big, même sur les habits là que tu es en train de laver. Lave ça correctement.